Charles. Aujourd'hui, on souligne notre premier anniversaire de Vie sur l'eau. Eh oui, déjà un an que notre belle aventure en famille a débuté. On lève notre verre à ça. Tchin tchin! Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur la dernière année? Ben, tout s'est vraiment bien passé. Hein? Oui. L'adaptation s'est bien faite, mais il faut dire qu'on faisait de la voile en famille depuis plusieurs années sur le fleuve. On n'a pas eu non plus de mésaventures. Non, puis au point de vue du bateau, ça a été de l'entretien régulier. Il n'est pas vraiment arrivé de bad luck. Tout a bien Peut-être été. Peut-être juste l'épisode de dinghy. Ah, mais, à Annapolis, ouais. OK. Mais la réparation tient encore. Oui, on gonfle le Zodiac toutes les 2-3 jours. Mais... Décoffe un petit peu, mais non, sérieux. Ça va, on vit avec. Ouais. Hey, nos coups de cœur! Il y en a eu plusieurs, des coups de cœur. Oui. C'est très difficile, les coups de cœur, mais premièrement au Canada, ben, c'est sûr que les îles de la Madeleine, la Nouvelle-Écosse. Mmh. Belle découverte, la Nouvelle-Écosse. On aimerait bien ça y retourner hein, quand on va être de retour au Québec. Après ça, ben, aux États-Unis, c'est les grandes villes américaines, la côte Est. C'est sûr que c'est à voir. Mais la portion, en tout cas, en ce qui me concerne, la portion entre Boston puis New York, il y a Cape Cod, Martha's Vineyard, Block Island, Long Island Sound. Ça a été, il y a de la belle voile à faire là. Puis New York, ça a été un moment fort de notre voyage. Oui, absolument. Après ça, ben, c'est les Bahamas. C'est sûr que les Bahamas, c'est la première expérience pour nous des eaux turquoises. La plongée, c'est exceptionnel, les Bahamas. C'est incroyable. Mmh. Il y a des belles rencontres aussi. On a fait des belles rencontres, des amis qu'on espère revoir quand on va être de retour au Québec. Puis, ben, on arrive aux Antilles. C'est sûr que les Antilles françaises, pour nous, la Guadeloupe, la Martinique, avec la facilité de la langue, c'est dur à battre. La bouffe aussi. La bouffe, les pains au chocolat, les croissants, les fromages, le vin. Culturellement aussi, les Antilles françaises, c'est super. Mais chacune des îles antillaises a sa personnalité. Hein? J'ai quand même une journée en particulier en Dominique. La Dominique, c'est très très beau. Mais avec notre chauffeur Bongo qui nous a fait visiter l'île, c'était vraiment une très belle journée. On a fait des chutes, on a visité beaucoup. C'était un moment fort. C'était une très ça. Belle journée. Ouais. On est allé à la source, oui, effectivement. Oui, la source. Donc, mais après ça, il y a Sainte-Lucie avec les pitons. Marie-Gobé. C'était vraiment super beau, Sainte-Lucie. Après ça, les Grenadines. Les gens étaient sympathiques dans les Grenadines. Tellement de beaux endroits à voir là-bas, des beaux ancrages, de la belle plongée. Les Tobago Keys, faut pas manquer ça. C'est, pour la voile, c'est formidable. Les ancrages, comme tu dis, les belles plages, l'eau est superbe. Donc, puis là, ben. On est en Grenade. À Grenade. On est en Grenade. On a caréné à Carriacou il y a une dizaine de jours. Là, on est arrivé à l'île principale depuis 2-3 jours. Plein de choses à découvrir qu'on va présenter dans nos prochains épisodes. Mais c'est ce qu'on prévoyait. Hein? On prévoyait être en Grenade en juillet. Oui, oui. On est ici. Le 8 juillet. Oui, on est bien content. On est bien content. Un an, jour pour jour. Mm. Comment t'as trouvé ça la dernière année? Le Sky Booking! Ça me fait beaucoup d'endroits puis j'aimais ça. Ouais? Le Sky Booking! Quel endroit t'as préféré? Ben, j'ai vraiment aimé les îles de la Madeleine. Et aussi les Bahamas, c'était beau. Les îles françaises aussi, c'était beau. La Guadeloupe et la Martinique. Ouais, c'était très beau. Bon. Puis qu'est-ce que t'aimes faire sur le bateau? Ben, j'aime pêcher. Après ça aussi, la Malaisie, j'aime ça.
ça. Mais des fois, on va se baigner, puis c'est cool parce qu'on peut tout le temps se baigner. Puis aussi, j'aime aller faire des tours de Zodiac. Puis j'aime aller à la plage. C'est quoi nos plans, capitaine, pour la prochaine année? Bien, après la Grenade, c'est sûr qu'on aurait aimé ça aller au Venezuela, mais actuellement, le climat politique ne nous permet pas de s'y arrêter. Donc, on va faire Bonaire, Curaçao, Aruba, probablement. On va arrêter en Colombie, les îles San Blas. Puis, qui font partie de Panama. Qui font partie de Panama. On veut aller à Panama, bien sûr. On prévoit traverser le canal de Panama. En février 2020. Ensuite de ça, ça va être une direction vers les îles Galapagos, si nos plans ne changent pas. Puis une grande traversée va nous attendre par la suite pour se rendre aux îles Marquises. Puis on va vous tenir au courant après ça de nos plans. Mais ce qu'on vise, c'est d'être en Australie pour le Noël 2020. Ouais. Vous autres, les filles, avez-vous aimé ça, votre première année de navigation en famille? Oui! Oui! C'est quoi vos activités préférées sur le bateau? La plongée, sur les plages, les couilles. Toi, Marie, t'aimes ça, la plongée? C'est pareil, t'as ici. Pareil?